بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى وها نحن وصلنا إلى الحديث الحادي عشر. Donc nous continuons toujours les cours autour des 40 hadiths de l'imam Nawawi رحمه الله et nous sommes arrivés au 11e hadith. فلنبدأ بقراءة الحديث. Commençons donc d'abord par la lecture du hadith. عن أبي محمد الحسني ابن علي ابن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. Donc d'après Abu Muhammad al-Hassan, fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma, petit-fils bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: j'ai retenu cette parole de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. Et le hadith a été rapporté par Tirmidhi, par Nasa'i, et Tirmidhi dit que le hadith est Hassan et Sahih. Et le hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah fi Sahih al-Jami'. فلنبدأ بترجمة راوي الحديث. وراوي الحديث هو الحسن ابن علي رضي الله عنهما. Donc commençons d'abord par la biographie du rapporteur du hadith. Et le rapporteur du hadith, c'est Al-Hassan ibn Ali رضي الله عنهما. فراوي الحديث هو الحسن ابن علي. أبوه علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم. وسبط هو ولد البنت، وولد الابن يسمى حفيدا في اللغة العربية. Donc le rapporteur du hadith c'est Al-Hassan ibn Ali رضي الله عنهما. Et son père est le célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, et qui est aussi le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la mère de l'Hassan, c'est Fatima al-Zahra, la fille de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-Hassan est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arabe, on appelle al-Sibt, qui veut dire l'enfant de la fille. L'enfant du côté de la fille. Et en arabe, lorsqu'on parle de l'enfant du côté du fils, on dit Al-Hafid. Wa kunyatuhu Abu Muhammad. Et la kunya de Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhuma, c'est Abu Muhammad, comme nous venons de l'entendre dans le hadith. Wa wulida radiyallahu anhu bil madinati sanata thalatha min al-hijrati. Wa huwa akbaru min akhihi al-Husayn bi'am. Et Al-Hassan radiyallahu anhu est né à Médine la troisième année de l'Hégire. Il est plus grand que son petit frère Al-Hussein d'une année. وتولى الخلافة
بعد أبيه مدة ستة أشهر ثم تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه فأصلح الله به بين أصحاب معاوية وبين أصحاب علي وهذا في عام 41 وسمي هذا العام عام الجماعة Et Al-Hassan radiallahu anhu est devenu calife après la mort et l'assassinat de son père Ali radiallahu anhu. Et il est resté calife pendant 6 mois durant. Et ensuite, en l'an 41, il a renoncé au califat au profit de Muawiyah radiallahu anhu. Et Allah Azza wa Jal, grâce à lui, a réconcilié entre deux parties en conflit parmi les musulmans. Le parti de Ali radiallahu anhu et le parti de Muawiyah. Et cette année fut appelée par les hommes de science « Amul Jama'ah ». L'année du rassemblement, c'est l'année 41 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Wal-Hassanu lahu manaqibu kathiratun minha » Et à la lumière des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Al-Hassan possède énormément de mérites. » On va en citer certaines. أولا أصلح الله به بين فئتين من المسلمين. Premier des mérites de Al-Hassan رضي الله عنه, c'est qu'Allah عز وجل a réconcilié grâce à lui entre deux groupes et deux fractions parmi les musulmans. يقول أبو بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وينظر إليه مرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين والحديث أخرجه الإمام البخاري أبي بكر رضي الله عنه nous dit j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم alors que le prophète était sur le minbar et Al-Hassan était à ses côtés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tantôt regardait Al-Hassan et tantôt regardait les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, mon fils que voici, en parlant de Al-Hassan, mon fils que voici est un noble, un chef, et Allah azza wa jal réconciliera grâce à lui entre deux fractions de ma communauté. Et le hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa min manaqibihi annahu sayyidu shababi ahli al-jannah. وهو أفضل من أخيه الحسين. Parmi les mérites de Al-Hassan رضي الله عنه, c'est qu'il fait partie des meilleurs jeunes gens du paradis. Et il est connu des gens de la Sunna et de la Jama'a qu'il est meilleur que son frère الحسين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأبوهما خير منهما وهذا في صحيح سنن ابن ماجه أي هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hassan et Al-Hussein sont les deux meilleurs des jeunes gens du paradis et leur père en parlant de Ali est meilleur que d'eux et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans صحيح سنن ابن ماجه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا آنفا في صحيح البخاري إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit et ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari voici mon fils en parlant de Al-Hassan voici mon fils C'est un noble, un chef, et Allah subhanahu wa ta'ala réconciliera grâce à lui entre deux fractions parmi les musulmans. وَمِنْ مَنَاقِبِهِ أَنَّهُ رَيْحَانَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالرَّيْحَانَةُ هِيَ الزَّهْرَةُ الطَّيِّبَةُ الرَّائِحَةُ Parmi les mérites d'Al-Hassan radiallahu anhu, c'est qu'il était le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était sa fleur odoriférante. Et al-Rayhana en réalité en arabe, c'est une fleur ayant une odeur agréable. Yaqul Ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-Hasan wal Hussein huma rayhanataya min ad-dunya wal hadith rawahu al-Imam al-Bukhari. Ibn Umar radiyallahu anhuma
nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'Hassan et de l'Hussein, il a dit: ce sont mes deux fleurs ayant une bonne odeur, ce sont mes deux bien-aimés, ce sont mes deux joies dans ce bas monde. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. ومن مناقبه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه. Parmi les mérites de Hassan رضي الله عنه, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم l'aimait. يقول البراء رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن ابن علي على عاتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه. والحديث رواه الإمام البخاري. البراء رضي الله عنه nous dit: j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم porter Al-Hassan sur son cou alors qu'il disait: oh Allah, je l'aime et aime-le aussi. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. Parmi ses mérites رضي الله عنه, c'est qu'il était la personne qui ressemblait le plus au prophète صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. والحديث رواه الإمام البخاري. Anas radiallahu anhu dit: personne ne ressemblait plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Al-Hassan, le fils de Ali radiallahu anhuma. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Wa mat al-Hassan radiallahu anhu sanata tis'a wa arba'in wa qila mat masmouman sanata khamsina min al-Hijra. Et Al-Hassan radiallahu anhu est mort l'année 49, et d'autres disent qu'il est mort empoisonné l'année 50 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa rawa 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 13 haditha. Et Al-Hassan radiyallahu anhu nous a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam 13 hadith. Hada fi ma yata'allaq bi rawi al-hadith wa huwa Abu Muhammad Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc ceci concerne le rapporteur du hadith qui est Abu Muhammad Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. فالآن نتحدث عن منزلة الحديث. Maintenant nous allons voir l'importance de ce hadith. هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين. Ce hadith est un fondement très important parmi les fondements de la religion. وهذا الحديث أصل عظيم في باب الورع وفي ترك الشبهات فإن العبد لا يسلم دينه من المفسدات والمناقص إلا إذا تعاطى الورع وترك ما اشتبه عليه أمره. Et ce hadith, c'est un principe dans le fait de s'abstenir par précaution et dans le fait de délaisser les ambiguïtés. Parce que la personne épargnera certainement sa religion des erreurs et des manquements en s'abstenant par précaution et par crainte d'Allah et en délaissant les ambiguïtés. وهذا الحديث أصل في الورع الذي عليه مدار المتقين وهذا في باب العبادات والأخلاق والمعاملات. Et ce hadith a fait dire aux savants et aux hommes de science qu'il est un principe dans le fait de délaisser une chose ambiguë par précaution. Et aussi, c'est un principe qu'appliquaient les hommes pieux dans le domaine de l'adoration, dans le domaine du comportement et dans le domaine des mœurs. وهذا الحديث أصل في بعض القواعد الفقهية. Ce qui montre aussi l'importance de ce hadith, comme on va le voir après, inshallah ta'ala, c'est que ce hadith est une référence de certaines règles générales du fiqh. هذا فيما يتعلق بمنزلة الحديث. Voici ce qui concerne l'importance de ce hadith. والآن نرى ماذا نستفيد من هذا الحديث. Maintenant nous allons voir quels sont les points à retenir, les enseignements à retenir de ce hadith. Et nous allons citer 10 enseignements et 10 leçons à retenir. الفائدة الأولى أن للحديث سببا. قال الترمذي بعد ذكر الحديث في سننه قال:
وفي الحديث قصة. وقال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي وهو شرح جامع الترمذي يقول: روى أحمد هذا الحديث في مسنده مع القصة. وما هي هذه القصة؟ يقول: عن أبي الحوراء قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل: وما عليك أكل هذه التمرة؟ فقال الحسن رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نأكل الصدقة. وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Première leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ce hadith a été cité par Al-Hassan dans une certaine circonstance. Et cette circonstance et cette histoire est relatée par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, après avoir cité le hadith. Il dit: wa fil hadith al-qissa. Et dans ce hadith, il y a une histoire. Et al-Mubarak Fouri, rahimahullah, dans son explication de Tirmidhi, qui s'appelle Tuhfatu al-Uhwadi, il dit: il a été rapporté de l'imam Ahmed, rahimahullah, dans son Musnad, l'histoire suivante. Il dit: d'après Abi Hawra, Abi Hawra a demandé à Al-Hassan radiyallahu anhuma: qu'as-tu retenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et Al-Hassan radiyallahu anhu lui dit: je me souviens qu'un jour je voulais manger une date provenant de la sadaqa. Et il dit: je l'ai mis dans ma bouche, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam retira cette date de ma bouche, et dans cette date il y avait ma salive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté cette date, et l'homme lui a dit: pourquoi cela? Et il a dit: parce que nous, les gens de Ahlul Bayt, de la famille du prophète sallam, nous ne mangeons pas la sadaqa. Et Hassan dit aussi, radiallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: laisse ce qui provoque en toi du doute pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. Donc voilà la circonstance du hadith rapporté par Al-Mubarak Fouri dans son explication, rahimahullah. Al-Fa'idatu Thaniya, anna fi hadha al-hadithi الأمر بترك ما يكون فيه ريبة، والريبة في اللغة هو القلق والاضطراب، فالمرء يترك ما يرتاب فيه ولا تطمئن إليه نفسه، وما يحدث قلقا واضطرابا، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Deuxième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ce hadith nous apprend à délaisser les choses qui provoquent en nous le doute, ce qu'on appelle en arabe riba. Et riba en arabe signifie le doute, l'inquiétude, le malaise ou la confusion suscitée par une chose. Et donc la personne délaisse ce qui est douteux et délaisse les choses dont l'âme n'est pas rassurée. Et la personne délaisse ce qui provoque l'inquiétude, le malaise et la confusion dans sa personne. Et ceci est contenu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. C'est clair. الفائدة الثالثة أن في هذا الحديث الأمر بأخذ ما لا ريبة فيه أي أن يصير المرء إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Troisième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ce hadith nous apprend à s'attacher à ce qui ne suscite en nous aucun doute. C'est-à-dire que la personne est tenue de s'intéresser aux choses dont le cœur s'apaise et dont l'âme est rassurée. Et ceci est contenu dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit: laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui provoque en toi aucun doute. Et nous allons donner quelques exemples, même plusieurs exemples, pour illustrer ce hadith et comment l'appliquer dans notre vie quotidienne. Premier exemple. Prenons le cas d'un homme ou d'une personne
qui a perdu le wudu. Et ensuite, cette personne doute. Est-ce qu'elle a refait le wudu entre-temps ou pas? Ici, je vais vous poser la question. La chose dont la personne est sûre, est quoi ici? C'est d'avoir perdu le wudu. Et la chose dont la personne doute ici, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai refait le wudu ou pas? Alors, ce hadith nous enseigne de délaisser le doute. Ce hadith nous enseigne que la personne doit délaisser le doute, c'est-à-dire de refaire le wudu, et elle revient à la chose qui est sûre, c'est-à-dire que la personne avait perdu le wudu. C'est clair? Deuxième exemple. Prenons le cas inverse. Prenons le cas d'une personne qui a fait les ablutions. Et ensuite, cette personne doute. Est-ce qu'elle a perdu le wudu ou pas? Donc, cette personne a fait les ablutions. Et ensuite, elle doute. Est-ce qu'elle a perdu ou pas ses ablutions? Ici, la chose dont la personne est sûre, c'est quoi? C'est d'avoir le wudu. Et ici, la chose dont la personne doute, c'est quoi? C'est est-ce qu'elle a perdu ses ablutions ou pas? Donc, ce hadith, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous dit, laisse la chose dont tu doutes, c'est-à-dire d'avoir perdu le wudu, et reviens à la chose dont tu es sûr, c'est-à-dire d'avoir fait le wudu. C'est clair? Troisième exemple. Prenons le cas... Je vais réexpliquer. Tu n'as pas compris le deuxième ou le troisième? D'accord. Prends le cas d'une perte. Par exemple, on va prendre ton cas. D'accord? On suppose que tu as fait le wudu. Ensuite, plus tard dans la journée, tu veux faire la prière et tu doutes. Est-ce que j'ai perdu le wudu ou pas? Ici, c'est quoi la chose dont tu doutes? D'accord. Et la chose dont tu es sûr? Donc tu reviens à la chose dont tu es sûr. C'est-à-dire que tu as le wudu. D'accord? Troisième exemple. Prenons les cas d'un vêtement touché par une najasa, par une souillure. Ça peut nous arriver. Mais la personne doute si cette souillure a été touchée sur une partie du vêtement ou sur une autre partie du vêtement. Par exemple, sur la manche droite ou sur la manche gauche. Donc ici, la personne doute si cette souillure est sur la partie droite ou la partie gauche du vêtement. Si la personne lave une partie du vêtement, il restera toujours un doute sur l'autre partie du vêtement. Et si la personne lave l'autre partie du vêtement, il restera toujours un doute sur la première partie du vêtement. On est d'accord? Alors ce hadith, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Ce hadith nous enseigne de délaisser le doute, c'est-à-dire de laver une des deux parties du vêtement et de revenir à ce qui est sûr, c'est-à-dire laver les deux parties du vêtement touchées par cette souillure. Prenons un quatrième exemple. Prenons le cas d'une personne qui, faisant la prière, doute pendant sa prière, est-ce que je suis dans la deuxième rak'at ou dans la troisième rak'at? Ça nous arrive. Ici, la personne doit revenir à ce qui est sûr, c'est-à-dire qu'elle a fait deux rak'at. Et elle doit laisser la chose qui est douteuse, c'est-à-dire qu'elle aurait fait trois rak'at. Donc voici des exemples qui illustrent bien ce hadith. Mais ici, il y a deux remarques importantes à faire. La première remarque, tout ce que nous venons de dire est valable tant que la personne n'est pas éprouvée par al-wasawis, par les doutes permanents. Il y a des personnes qui doutent constamment. Est-ce qu'elle a fait le wudu? Est-ce qu'elle a fait la prière? Est-ce qu'elle a fait laver ses mains? Est-ce qu'elle a fait tashahud? Constamment, elle a des doutes. Donc tout ce que nous venons de dire ici est valable tant que la personne n'est pas éprouvée par al-wasawis. Car il s'agit de wasawis. Et la personne ne doit pas les prendre en compte. La personne qui est éprouvée par les wasawis ne doit pas prendre en compte ses doutes permanents. Car le hadith nous enseigne qu'on doit délaisser ce qui provoque en nous le doute, la confusion, pour aller vers ce qui suscite en nous aucun doute. Donc la personne doit délaisser tous ses doutes. Et ceci concerne la personne qui est atteinte et éprouvée par les doutes constants. Deuxième chose à dire concernant tous les exemples que nous venons de citer, on ne doit pas prendre en compte le doute après l'accomplissement d'une adoration. Par exemple, la personne, elle a fait le wudu, elle a terminé le wudu, et elle s'apprête à faire la prière, et elle doute est-ce qu'elle a lavé ses mains ou pas. On doit rejeter ce doute. On ne doit pas le prendre en considération. Ou par exemple, la personne doute d'avoir fait 3 rak'at ou 4 rak'at pendant la prière, mais elle a terminé sa prière. La personne doit rejeter ce doute. Ou par exemple, la personne, elle fait tawaf autour de la Kaaba, et après avoir terminé tawaf, elle se dirige vers Maqam Ibrahim pour faire 2 rak'at. Elle doute, est-ce qu'elle a fait 6 ou 7 tours autour de la Kaaba? Elle ne prend pas en considération ce doute. Tout doute qui vient après l'accomplissement d'une adoration ne doit plus être pris en considération. D'accord? Parce que sinon, ça ouvrirait des portes qui ne se fermeraient plus.
الفائدة الرابعة أن في هذا الحديث دلالة على بعض القواعد الفقهية الكبرى. Dans ce hadith se dégagent des règles générales et fondamentales du fiqh. Nous allons en citer trois. أولا الشك لا يزيل اليقين. C'est-à-dire, le doute n'efface jamais la certitude. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. Deuxième règle, c'est que la certitude ne disparaît pas avec le doute. C'est-à-dire, lorsqu'on réalise une chose avec certitude, puis vient le doute, on reste sur cette certitude, comme nous avons vu dans certains exemples précédemment. القاعدة الثالثة الرجوع للأصل عند الشك. La troisième règle, c'est que celui qui a un doute sur quelque chose doit revenir vers l'origine certaine de cette chose, comme on l'a vu précédemment dans les exemples. الفائدة الخامسة من هذا الحديث أن ترك ما يرتاب فيه هذا فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق وأن من أراد الطمأنينة والاستراحة فليترك المشكوك فيه وليطرحه جانبا وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبوك إلى ما لا يريبوك والريب هو الشك وعدم الطمأنينة. Cinquième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est qu'il y a dans le fait de renoncer aux choses qui provoquent en nous le doute une tranquillité pour l'âme et une protection pour elle de la confusion. Car celui qui recherche la tranquillité et la sérénité alors qu'il délaisse les choses douteuses et incertaines et qu'il les mette de côté. Et ceci est contenu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. » Et comme on a dit précédemment, « Raib » c'est le doute, c'est la confusion, l'absence de sérénité et l'absence d'apaisement. Et le musulman, il doit délaisser ce genre de choses lorsque ce n'est pas fondé. « الفائدة السادسة أن الإنسان مأمور باجتناب ما يدعو إلى القلق والاضطراب وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Sixième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que l'homme est tenu de s'éloigner de tout ce qui provoque l'inquiétude, le malaise, la confusion. Et ceci est contenu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. » الفائدة السابعة أن الإسلام يدعو إلى اطمئنان القلب وراحة النفس ولا يريد منا أبدا أن نكون في شك ولا في قلق وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبوك إلى ما لا يريبوك. Septième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que l'islam appelle à la tranquillité du cœur. Il appelle à la sérénité du cœur et de l'âme. Et notre religion en aucun cas ne veut de nous semer le trouble, l'inquiétude, la confusion ou le malaise. Et ceci est contenu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Laisse ce qui provoque en toi un doute pour ce qui suscite en toi aucun doute. » الفائدة الثامنة أن معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها فهذا الحديث شبيه بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أو رضي الله عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. Huitième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ce hadith veut dire concrètement s'abstenir des ambiguïtés et les éviter. Le sens de ce hadith est contenu dans le sens du hadith de Nu'man ibn Bashir, qui est le sixième hadith que nous avons vu, cité par l'imam al-Nawawi dans les 40 hadiths al-Nawawi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui se garde des ambiguïtés aura préservé sa religion et son honneur. » Et celui qui s'aventure dans les ambiguïtés tombera dans l'illicite. Donc on retrouve le même sens dans ces deux hadiths.
c'est-à-dire s'abstenir des ambiguïtés, des choses douteuses, de les éviter, de s'en éloigner. الفائدة التاسعة أن في الحديث أمرا ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وهذا في صحيح البخاري لمن سأله عن دم البعوض وهو من أهل العراق وهو محرم فقال له ابن عمر رضي الله عنهما يسألونني أي أهل العراق يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتايا من الدنيا والحديث أخرجه الإمام البخاري. Deuxième leçon à retenir, et elle est très, très importante, c'est que dans ce hadith, il y a un point remarquable à souligner. Quel est ce point? C'est que d'être attentif et d'être rigoureux à s'abstenir des ambiguïtés, ceci doit être le comportement de celui qui s'abstient avant tout de commettre des péchés. Quant à celui qui s'adonne à des péchés flagrants, et ensuite recherche à s'abstenir de certaines ambiguïtés subtiles, ceci n'est pas tolérable et n'est pas accepté de sa part. Et le reproche doit lui être fait. Et on peut demander quel est le dalil, la preuve de ce que nous avançons. Il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Umar radiallahu anhuma, il dit à celui qui l'a interrogé au sujet de celui qui tue une mouche en état de sacralisation. Une personne est venue voir Ibn Umar radiallahu anhu, il lui a posé une question au sujet de tuer une mouche alors qu'on est en état de sacralisation. Et cette personne venait de l'Irak. Alors Ibn Umar radiallahu anhu lui a dit: les gens d'Irak m'interrogent au sujet de tuer une mouche en état de sacralisation alors qu'ils ont tué Al-Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et moi j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: ce sont mes deux joies dans ce monde. Et le hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari. الفائدة العاشرة والأخيرة لهذا الحديث تتعلق بقول الترمذي الحديث حسن صحيح كيف يجمع بين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح. La dixième leçon à retenir concernant ce hadith concerne la parole de l'imam Tirmidhi lorsqu'il dit à propos de ce hadith: c'est un hadith hasan sahih. C'est une leçon à retenir concernant la science du hadith. Comment ici rassembler les deux termes hasanun, sahih, pour une seule et même description? Comment peut-on dire qu'un hadith est à la fois hasan et qu'un hadith est à la fois sahih? Ce qu'il faut savoir avant de répondre à cette question, c'est qu'il y a une différence entre le hadith hasan et le hadith sahih. Et que les hadiths sont classés en sahih, en hasan et en da'if. Mais en réalité, il y a des hadiths sahih li dhatihi, sahih li ghayrihi, hasan li dhatihi, hasan li ghayrihi, et des hadiths qui sont da'if. Donc il y a déjà cinq catégories de hadiths qu'on vient de citer. Et c'est quoi la différence entre le hadith hasan, bon, et le hadith sahih, authentique, sachant qu'ils sont tous les deux authentiques? C'est que le hadith sahih doit vérifier des conditions qui sont au nombre de cinq. La première de ces conditions, c'est ittisal ou sanad, ce qui doit avoir une continuité dans la chaîne du premier rapporteur jusqu'au dernier rapporteur. Deuxièmement, deuxième condition, adalatur rawi, c'est-à-dire que le rapporteur doit être intègre et fiable. Troisième condition, dabtur rawi,
C'est-à-dire que le rapporteur doit être sûr, doit avoir une bonne mémoire. Quatrième condition, عدم الشذوذ. C'est qu'il doit avoir dans ce hadith et dans cette chaîne de transmission une absence de marginalité. Il ne doit pas s'opposer à une transmission d'une personne plus sûre que lui. Et cinquième condition pour que le hadith soit sahih, عدم العلة. Il doit avoir absence de défaut dans la chaîne de rapporteur. Donc ça, c'est la définition du hadith sahih. C'est quoi la différence entre le hadith hasan, bon, et le hadith sahih, authentique? En réalité, la différence entre le hadith sahih et le hadith hasan, elle n'est pas très grande. Le hadith hasan vérifie les mêmes conditions que le hadith sahih, si ce n'est qu'au niveau de adalatul rawi, au niveau de l'intégrité du rapporteur, il est moins intègre. Il est intègre, mais il est moins intègre que le rapporteur du hadith sahih. D'accord ? Donc voilà la différence entre le hadith sahih et le hadith hasan. Donc comment l'imam Tirmidhi dit de ce hadith ? Qu'est-ce que veut dire quand l'imam Tirmidhi, on l'entend souvent, « Hada hadithun hasanun sahih ». Ceci est un hadith hasan et sahih. Ajab al-ulama rahimahumullah wa hafidhahumullah. La réponse de l'ulama est la suivante. إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن. Première réponse des hommes de science, c'est que ce hadith nous est parvenu qu'avec une seule chaîne de transmetteur. Alors lorsque Tirmidhi, rahimahullah, dit que ce hadith est hasanun sahih, ça veut dire qu'il doute, il ne sait pas si cette chaîne de transmetteurs vérifie les conditions du sahih ou elle vérifie les conditions du hasan. Donc il doute, est-ce que ce hadith il est sahih ou est-ce que ce hadith il est hasan. وَإِذَا كَانَ مِنْ طَرِيقَتَيْنِ أَوْ مِنْ طَرِيقَيْنِ فَمَعْنَ ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ الطَّرِيقَيْنِ صَحِيحٌ وَالْآخَرُ حَسَنٌ. Par contre, si le hadith nous est rapporté par deux chaînes de transmetteurs, à ce moment-là, lorsqu'on dit que le hadith il est hasan, sahih, ça veut dire que une chaîne de transmetteurs est sahih et une autre chaîne de transmetteurs est hasan. Et il existe encore d'autres explications concernant la terminologie de hasanun sahih, qu'un hadith est hasanun sahih. Wa hunaka fa'ida. في أيهما أقوى أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا. Quel est le hadith le plus authentique lorsqu'on dit par exemple qu'un hadith est sahih ou un hadith est hasanun sahih? Quel est le hadith le plus authentique entre ces deux, entre celui qui est qualifié comme sahih et celui qui est qualifié comme hasanun sahih? Les ulama disent إذا كان من طريقين فحسن صحيح أقوى من صحيح وإن كان من طريق واحد فحسن صحيح أضعف من صحيح لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الصحة أو لا يزال في درجة الحسن. Donc lequel de ces deux hadith est plus authentique, celui qui est qualifié de sahih seulement ou celui qui est qualifié de hasanun sahih? Les hommes de science disent, si le hadith nous est apporté par deux chaînes de transmetteurs, alors le hadith qui est sahih hasan est plus fort que le hadith qui est sahih. Parce que si on dit qu'il est sahih hasan, il est sahih d'une part et il est hasan d'une autre part. Par contre, si le hadith nous est rapporté que d'une seule chaîne, à ce moment-là, le hadith sahih est plus fort que le hadith hasanun sahih. Parce que l'homme de science doute et hésite, est-ce que le hadith a atteint le degré de sahih ou est-ce qu'il est seulement dans le degré du hasan. C'était une petite leçon à retenir concernant la science du hadith.
Donc on termine maintenant, inshallah, en relisant le hadith une dernière fois. عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبوك إلى ما لا يريبوك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. Donc Abu Muhammad al-Hassan, fils de Ali, fils de Abi Talib, radiyallahu anhuma, et petit-fils bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « J'ai retenu cette parole du prophète d'Allah. Laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. » Hadith rapporté par Tirmidhi, par Al-Nasa'i, et Tirmidhi le tient pour un hadith Hassan et un hadith Sahih. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.